Allez, dernier petit épisode pour YouTube, voilà. Et ça, c'est à peu près correct, on va dire. Donc je pense que je vais commencer à porter une ligne de train jusqu'à là-bas. Et ensuite on verra comment on s'organise pour faire tout ça. Voilà, parce qu'il y a quand même quelques zones que j'aimerais aller chercher pour le faire. Sinon ça vaut pas vraiment le coup. Et on est de retour à la base en toute sécurité. Ok, ça c'est bon. Je suppose qu'on fera passer les trains de ce côté-là. Voilà, à côté de la zone qu'on a déjà faite. Voilà, juste faire une sortie où je me trouve. Je pense que ça sera très correct. Voilà, comme ça. Et pas comme ça. Comme ça, un truc du genre, voilà. À peu près. Un petit peu plus loin. Voilà, quelque chose du genre. Voilà, quelque chose du genre, ça sera très bon. Ça partira vers le haut. Et on aura. Ça pourra revenir ici, faire un petit demi-tour quelque part. Il n'y aura pas de souci. Ça pourra quitter ici. Ouais, voilà, il faudra un demi-tour ici. Hop. Hop. Non, ça marche toujours pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Celui-là. Non, il continuera pas tout droit. Ok. Voilà. Le serveur. Petite sauvegarde du serveur. Et ça ici. Voilà, ça c'est bon. Il ne devrait pas y avoir de soucis ici. Ok. On a du fer qui descend. On a de l'acier. On a encore. Ouais, pas une tonne de fer encore, c'est pas énorme. Ouais, là, le fer, il galère à arriver en bas. Bah, il galère à arriver, mais je te dirais que les coffres sont quand même assez pleins en chacun d'eux. Voilà, il y a quand même 4K à peu près dans chaque coffre. Donc c'est peut-être pas un problème de déchargement, bah, en fait du train plus que du déchargement des matériaux. Donc il nous faudrait, je pense, passer au prochain, au bras robotisé haute capacité. Alors, il coûte assez cher, je sais, mais si on fait ça, déjà, on va pouvoir bien réduire la petite différence, voilà, qu'on a en ce moment. On pourrait vider pas mal plus, mais il faudrait sûrement des tapis bleus pour décharger tout ça. Ou en tout cas, quelque chose de plus rapide, c'est sûr. Ok. Ouais, je pense qu'on va devrait passer vers les bras haute capacité. Alors je vais commencer à en faire quelques-uns. Parce qu'en fait, il faut penser qu'on passe de une ligne rouge qui alimente 4 voies, en fait. Ce qui est pas vraiment assez rapide. Ok, est-ce qu'on a des robots-ports? Ouais. Oui, ça y est, j'ai commencé à les mettre. C'est bien ça. Ça J'ai fait plaisir commencé à à voir. les j'ai commencé à les alimenter en matière première. Ouais, tant mieux. Vraiment tant mieux. Robots logistiques, quelques-uns. Ça fait plaisir à voir tout ça. Sinon, ici, il y a quelques. Ouais, non, c'est correct. Très correct. Ça, je vais en prendre un petit peu. Ok. Et il va me falloir plus de d'engrenage, bras robotisés et circuit. Ok. On remonte en haut. On n'a pas vraiment une tonne de circuits de ce côté-là. Hop. Voilà. Et il va me falloir des engrenages. Voilà. Pas vraiment assez d'acier qui arrive encore. Mais c'est pas grave. Petite réparation de tourelle. Ok, ça c'est bon. Bon, les engrenages n'arrivent pas très très vite, mais ça arrive au moins, c'est déjà ça.
Bras robotisés de capacité, qu'est-ce qui va me manquer? Encore des engrenages, malheureusement. Encore des engrenages. Et peut-être ici quelques bras, c'est correct. Ok. Donc je vais aller commencer à placer quelques bras de capacité, on verra ce que ça donne. Sur 8 labos, il manquait des bras longs. Du coup, on n'avait pas les. Il y a 8 labos qui tournaient pas, du coup, ce qui n'arrive pas à choper les fioles bleues et violettes. Ouais, pas génial tout ça. Pas génial. Bon, au moins, c'est corrigé maintenant, je suppose. Oui. voilà. Bras haute capacité. On va mettre 2-2-2. Alors, est-ce qu'il marche bien? C'est ça la question. Ouais, voilà. Il dépose 10 à chaque fois, ce qui est bon. Pas 10 à chaque fois, combien il dépose? Il dépose, les bras déposent, attention, 1 plus 3, donc il dépose 5, je dirais. À 5 chacun, ce qui est un peu mieux. Sauf qu'il va tous falloir les mettre, sinon ils vont pas marcher avec le système actuel. Puisqu'on se souvient que le système compte combien les bras déposent et reprennent. Donc ça c'est pas. Ça marche pas tout à fait. Au pire, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais enlever ça. Voilà. Malheureusement. Ça limite un peu le système pour l'instant. Pensez à déposer vos artefacts. Oui, t'as raison, je vais aller faire ça tantôt. J'ai pas pensé à les déposer. T'as tout à fait raison. Ok. Où sont mes bras? Ils sont pas faciles à voir à chaque fois. Voilà, et voilà. Donc là on a deux lignes pleines ici, donc il faudrait une autre ligne pleine de ce côté. Pourquoi est-ce que ça arrive pas plus vite? Alors si on fait ça comme ça, qu'on tourne ça comme ça et qu'on fasse ça comme ça. Voilà. Ici donc ça devrait arriver un petit peu plus vite je suppose. Ouais. Là, si là ça passera pas, je vais trouver une solution pour ça. Voilà, ok. Je vais en fait juste rajouter une deuxième ligne pour le faire pour l'instant. On verra ce que ça donne. Ça et ici ça passait comme ça et ça arrive. Je sais pas si ça sera suffisant mais ça sera déjà mieux. Voilà, petite ligne supplémentaire. Voilà. Ça devrait être correct. Voilà. Celui-là, on peut peut-être juste le passer comme ça à la place. Et tout a l'air de plutôt bien marcher. Il n'y a pas de souci. Alors, deux objets manquants, ça c'est pas pour moi. Pousse-toi, Franktar, s'il te plaît. Pardon. Merci. Ok, voilà. Normalement, là, ça devrait arriver un petit peu mieux. Pour le faire en tout cas. Il devrait avoir une petit peu plus grosse quantité. Ça réglera pas le problème sur le long terme normalement. Mais voilà, puisque tous les coffres étaient en train de se remplir, ça devrait aider pour l'instant. Voilà. Ah, c'est vraiment le problème de consommation qu'on a. On consomme trop.
Voilà, voilà. Ça c'est bon. Ok. Voilà, ça marche à peu près. Pourquoi est-ce que ça coule pas à fond? Ouais, il va vraiment nous falloir des tapis bleus là sur le dans pas trop longtemps. Je suppose qu'on peut les rechercher. Voilà. C'est parti. Voilà. Merci bien. Parce que ça coince encore un peu et c'est un petit problème de compression au déchargement, on va dire. Mais sinon, les coffres se remplissent encore de plus en plus, donc je suppose qu'on devrait être capable d'en tirer un petit peu plus. Voilà. Mais pour l'instant, la production a l'air d'être partie. Il faudrait peut-être faire la même chose pour le cuivre. Voilà, que je refasse d'autres bras haute capacité. Hop, ta. S'il manque encore du fer. C'est quand même fou de penser qu'il manque encore du fer ici. Voilà, un petit peu mieux. Un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. C'est pas pire. Donc il est minuit, donc on va pas s'arrêter tout de suite encore, voilà, puisque je suis arrivé un peu plus tard. C'est quoi la touche de base pour ouvrir le chat? Le chat, c'est, si je me trompe pas, il faut que tu la mettes. Alors il faut que tu ailles dans options raccourci, je suppose, si je me souviens bien, afficher la console Lua qui est en bas à droite de jeu. Et tu mets la touche que tu veux. Moi j'ai mis tab par exemple, mais de base, voilà, c'est pour ça que ça marche pas. C'est que de base il n'y en a pas d'installer. Voilà. Donc normalement là tu devrais être capable. Voilà. Voilà, pas de quoi. Ok, ça marche. J'ai quelques engrenages. Il va manquer des circuits maintenant. Bien entendu. Hop, on remonte. Et voilà. Je dois avoir assez de circuits. Il y a besoin que j'aide à quelque chose. Bon, en fait, en ce moment, tu peux faire pas mal de trucs. Tu peux soit commencer à préparer les stations pour préparer une nouvelle zone pour des fours. Qui serait principalement à l'extérieur de la base et qui devrait être accessible par train. Tu peux. Qui serait donc en haut de ce qu'on a nettoyé tantôt. Voilà, alors on a déjà des trois lignes de sortie. Il faudrait que ça soit en haut de ça. Donc une nouvelle zone à sécuriser, à préparer, à mettre une zone de four assez grosse, sûrement des fours électriques. Sinon, tu peux faire pas mal de choses. Je te dirais quoi d'autre. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il y a sûrement plein d'autres choses. Placer plus de panneaux solaires, il y en aura besoin, plus d'accumulateurs, etc. etc. Il y a vraiment beaucoup de choses en ce moment que tu peux faire. Voilà, ça ressemble à ça. Sinon, tout le monde peut donner des idées. Hop. Ok, donc ça j'enlève tout, je replace. Alors c'est normal qu'il n'y ait plus de cuivre pour l'instant, ça va revenir dans 2 secondes. D'agrandir la production d'électricité, parfait. Voilà, ça marche. Alors bien entendu, ça a complètement tout remplir ça pour l'instant, c'est sûr. Donc ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ça. Non, c'est pas ça. Celui, il faut faire ça. Voilà. Comme ça, lui passe comme ça. Ça remplit la zone ici, c'est bien. Ensuite, celui-là passe ici. Ce qui devrait remplir aussi cette nouvelle zone. C'est encore... Il manque un peu de place d'ailleurs. Il manque un petit peu de place encore. Donc on va agrandir ça. Voilà, et ici pareil, il faudrait faire à peu près la même chose, je pense.
Hop, voilà. Donc ça, ça donne... En fait, chaque sortie en ce moment nous donne à peu près une ligne de rouge continu, ce qui est très bien, sauf qu'on peut pas vraiment toutes les utiliser, c'est ça le problème. Voilà, pour l'instant, ça donne ça comme ça. Ici, on va juste le remettre comme ça, on va dire. Voilà. Ça va ressembler à ça. Je vais faire ça des deux côtés, ça me semble un peu mieux. Oups, petit train qui arrive. Petit train qui arrive. Ça, ça va aller jusqu'ici. Ensuite, il va y avoir une nouvelle sortie de ce côté-là. Hop. Voilà, ça, ça a l'air plutôt correct. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il manque un peu de matériaux. Il manque un petit peu de matériaux, donc si on peut juste le connecter comme ça, ça pourrait être plutôt bien. Voilà. Ça, ça devrait être un peu mieux. Et ouais, ça a l'air très correct. Ça a l'air très très correct. Voilà, ça arrive ici. Hop, ça, ça remplit, et ça me semble plutôt très bien. Voilà. Pourquoi cette zone ne peut pas se vider? Parce qu'elle n'est pas prioritaire. Ce qui est un peu dommage. Attention, on enlève celle-là. Hop, hop. Voilà. C'est ici, ça peut y aller. Mais là, il n'y a rien pour y aller par contre. Tac, tac. Ça, ça marche. Et ensuite, ici. Voilà. Ça, ça devrait être un peu mieux. Alors, pourquoi est-ce que ça va pas plus de ce côté-là? Je comprends pas pourquoi il priorise à aller là. À aller là plutôt qu'à aller là. C'est vraiment étrange. Si on faisait à la place ça. Ça comme ça. Voilà, comme ça là, ça devrait fonctionner. Donc quoique, en fait, je veux juste ça. Voilà, je veux juste ça comme ça. Voilà, comme ça, ça, ça fait le tour ici. Cela fait la même chose. Cela fait la même chose ici. Et ensuite, ils peuvent se partager 50-50. Et normalement, ça devrait très bien ressortir. Et voilà, c'est parfait. Ok. Donc ce côté-là, c'est plein. Par contre, ça arrive plus plein ici. Viven, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu prépares? Ça, je suppose que tu veux le tirer plus loin comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, on rajoutera pas de four ici, je pense. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, on va devoir rajouter de plus en plus de sorties avec les trains. Donc, je pense qu'on rajoutera rien de plus de ce côté-là. Ces fours ici qui sont déjà là vont rester pour l'instant. Parce que, bon, on doit finir de tout consommer ce qu'on a en matériaux ici. Mais c'est à peu près tout. Voilà, pour le reste, on l'utilise. On rajoutera pas grand-chose. Voilà. Hop, alors ça, je vais l'enlever aussi. Ok, ça c'est bon. Ici tout va bien, on va continuer encore un petit peu et ensuite on arrêtera, voilà. De ce côté là tout marche bien, on commence à voir un petit peu, on a des panneaux solaires à gauche, c'est bien. Kung Fu Poney est en train de faire plus de panneaux solaires en bas à droite, c'est très bien. Est-ce que t'as des robots? T'as pas l'air d'avoir de robots hein, pour les faire Kung Fu? Ce belle petite attaque à droite. Non, voilà, ok, ouais. Tu peux aller te chercher. Bon, en fait, tu sais quoi, je vais essayer de t'en apporter quelques-uns. Ouais, voilà, tout à la main, c'est pour ça. Ce sera pas très rapide si tu fais tout à la main. Je vais t'apporter quelques robots. Bon, bien entendu, est-ce que t'as une armure modulaire, tout ça, pour le faire? Parce que c'est sûr que ça serait utile.
Ouais, ok, t'as l'armure modulaire, alors je t'apporte quelques robots. Est-ce que t'as... Ah, comment ça s'appelle? Est-ce que t'as tout ce qu'il te faut pour faire le... voilà, t'as pas de robot port, bon avec ça t'auras assez normalement pour t'en faire. Attends, je vais t'en faire un. Je vais le faire sur moi et je vais pouvoir te le donner. Attends, bouge pas. Tiens, quelques robots et une armure modulaire. Ben, pas l'armure modulaire, mais plutôt le robot port. Et comme ça, tu pourras commencer à les faire un petit peu plus rapidement, on va dire. Ouais, et si tu veux, ça serait mieux de passer à ce design ici. Voilà, que je te mets en arrière de toi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils veulent pas le... Pourquoi ils veulent pas le faire, mais voilà. Comme ça, là, il y a un petit peu plus de... Un petit peu plus d'objets dedans, c'est un petit peu mieux. Alors, par contre, je sais pas pourquoi le... La base est pratiquement alimentée en robot-port. Ok, parfait, ça c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Ce qui manquera ensuite, c'est sûr, ça sera pas mal plus de robots, mais ça va arriver tranquillement. Il y en a 14. Ouais, voilà. Ok, ouais, il y a quand même des robots-ports pas mal partout, ça c'est bien. Hop, ouais, ok, parfait. Parfait, parfait. Sinon, tout le reste avance. On n'a plus trop l'air de manquer de matériaux, de cuivre ou de fer en entrée. Donc ça, c'est bien. Ça a l'air d'avoir porté ses fruits. Et sinon, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, ah, voilà, j'ai volé tes... Je vole tes robots. Ah, c'est peut-être parce que j'ai plus de robots que je pouvais pas faire mes trucs tantôt. Voilà, c'est parce que j'avais pas de robots que je pouvais pas travailler. On n'a pas de coffre jaune. Ah non, on n'a pas de coffre logistique. Bon, je vais en faire rapidement. C'est pas un souci. Du coup, il pourrait mon inventaire, quoi. Voilà, c'est réglé. Bon, ils vont continuer à tout mettre dans ton inventaire, mais... Tu trieras à la fin. Voilà. Four en acier, combustible fossile, tout ça, on jette. Un petit peu de soufre. Voilà, comme ça, ça finit nettoyer un petit peu plus vite. Je vais d'ailleurs apporter ma science avant que j'oublie encore aux recherches. Quelques robots qui veulent me suivre. Et j'ai à nouveau plus de batterie. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Les robots sont revenus. Il va vraiment me falloir une plus grosse armure. D'ailleurs, on a fini. Hein. On peut maintenant faire la plus grosse armure normalement. Il faut ouais. Parler. Ouais, on peut faire la plus grosse armure. Bon, elle coûte un petit peu cher, mais c'est raisonnable. Voilà, ça arrive. Ok, parfait. On est rendu à combien? 11 processeurs, je les vole. Ok, parfait, bon. T'arrives pas, Kung Fu, pourquoi tu travaillais pas avec tes robots? Ah ok, ouais, ils ont plus de batterie, je comprends. Je comprends. Alors, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Donc je vais éteindre le serveur dans pas longtemps. Et ça fera quand même, bon, ça fera déjà bon, 2h20 d'épisode, même si j'étais pas là direct dès le début, à dire que c'est pas si pire. J'ai pas mal de bois qui sert à rien. Il faut que je vide un peu tout là. Ok, et pour finir ça ici, un mur. Voilà.
plein de matériaux un peu inutiles. Ok, donc je vais arrêter le live ici pour ce soir, voilà. Quand 9 personnes qui écoutaient en ce moment, donc voilà, ça sera fini. J'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours. Merci Bartus pour passer le serveur, ça fait toujours plaisir. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bye bye. Et il faut que moi je mette en pause. Arrête.